C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui aux ateliers d'Youville. Un honneur de recevoir M. Poetti pour sa première sortie publique, également à titre de ministre des Transports. Je souligne aussi la présence de M. Marc Tanguay, député de La Fontaine, adjoint parlementaire au ministre de la Métropole. M. Tanguay, bonjour. M. Arif Salem, responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal. Mme Dominique Savoie, sous-ministre des Transports. M. Raymond Bachand, président Amérique du Nord de Bombardier Transport, et M. Pierre Gauthier, PDG d'Alstom Canada et Alstom États-Unis. On avait voulu un événement intime, mais on a été pris par l'enthousiasme. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce matin et d'accueillir la première voiture du train Azur fabriqué par le consortium Bombardier-Alstom. La route a été longue depuis la Pocatière. La voiture est partie vendredi. On l'a reçue ce matin. On l'attend. Elle est derrière la porte de garage là-bas. On va vous la montrer dans quelques instants. On a dû faire des manœuvres très délicates pour pouvoir l'amener jusqu'ici, mais on va pouvoir vous la montrer. On a bien hâte. Alors, avant d'aller et de laisser entrer le train, je vais céder la parole au ministre des Transports, M. Poetti, qui a quelques mots à nous adresser. Merci, M. Schnupp, M. Coderre, maire de Montréal, M. Marc Tanguay, M. Philippe Schnupp, M. Carl Desrosiers, mesdames et messieurs, bonjour. Pour moi, aujourd'hui, c'est ma première activité publique sous la gouverne du ministère des Transports et ministre responsable de la Métropole. Je suis particulièrement fier qu'elle s'adresse précisément au transport collectif. Le métro constitue la pièce maîtresse de l'offre de services en matière de transport collectif dans la grande région de Montréal. Il est un de nos meilleurs atouts pour atténuer les problèmes de congestion routière. Cette congestion coûte cher à l'économie de Montréal. Il est de notre devoir de faire en sorte de diminuer la pression déjà forte sur le réseau routier en permettant à nos concitoyens de disposer d'un moyen à la fine pointe de la technologie et du confort pour se déplacer. Le gouvernement du Québec, par la voix de son premier ministre, M. Philippe Couillard, s'est engagé à appuyer le maire de Montréal dans son travail quotidien de repositionner la métropole sur l'échiquier international. Cette livraison est l'aboutissement d'un contrat historique de 2,4 milliards de dollars pour lequel le ministère des Transports contribue à la hauteur de 75 %. Alors, je cède la parole au maire de Montréal. Merci, Philippe. Alors, monsieur le ministre, on a tous déjà eu la liste. Considérez-vous tous et toutes comme salués. Salutations à la fierté de la STM, c'est-à-dire nos employés. Je vous salue, je vous remercie et je réitère toute cette fierté que notre ami, le président de la STM, a mentionné tantôt. Je pense qu'on a des nouveaux équipements, ça va être fantastique. On veut avoir une stratégie au niveau du transport collectif, mais si vous n'êtes pas là, ça ne fonctionne pas. Alors, non seulement vous faites un excellent travail, puis vous méritez encore une bonne main d'applaudissements. Bravo, merci. Puis ceux qui prennent pour Boston, bien, applaudissez pas, s'il vous plaît. OK. Il y a exactement 5 mois, presque jour pour jour, j'étais à la Pocatière pour assister au dévoilement des nouvelles voitures Azur. Je me rappelle très bien de cette fierté qu'on pouvait lire sur les visages des quelques 600 employés du consortium Bombardier-Alstom qui étaient sur place pour nous présenter le fruit de leur travail. Vous me permettrez également d'avoir encore une fois une pensée pour Claude Béchard, parce que Claude Béchard, au sein du gouvernement de l'époque, avait fait un travail magnifique en ce sens. Avec leur design moderne et leur nouvel aménagement intérieur, ces voitures contribueront à la revitalisation du métro. Elles en feront un métro plus puissant, plus confortable, mieux éclairé, moins bruyant, mieux aéré et plus spacieux. Bref, un métro plus agréable à utiliser. Et en rendant les déplacements plus agréables, nous sommes convaincus que nous attirerons plus de voyageurs vers les transports collectifs. Sans compter qu'à partir de cette année, les clients pourront disposer des services cellulaires dans les stations et dans les voitures de métro de Montréal et pourront donc avoir accès à Internet durant leurs déplacements. Le métro, c'est surtout le moyen de transport quotidien de centaines de milliers de clients. Et après 50 ans,
Il mérite d'être gâté. Il est donc grand temps de dire adieu aux voitures MR63 qui datent des toutes premières années du métro de Montréal et qui ont atteint leur vie de fin utile. Nous sommes d'ailleurs à étudier divers projets pour donner une seconde vie aux anciennes voitures, d'ailleurs lors des fêtes du 375e anniversaire de Montréal. C'est à suivre. Le nouveau métro marquera de façon extraordinaire le nouvel élan que prend Montréal et sa stature de grande métropole. I would like just to say a few words to congratulate the people from Bombardier-Alstom. Thanks for all the employees. I think that not only we're starting a new history in the life of the Metro de Montréal, but I think that, and that's important what Mr. Poitier just mentioned, we are at the crossroad. Montreal is becoming more and more, you know, Montreal is back, but we need a good partnership and a great partnership between STM, its employees, the mayor of Montreal, and the government of Quebec showed again that we are on the right track. So thank you very much. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Et il va après. Peut-être que je me donne un high five, là, pour encore mieux. On va le faire, je m'achète. Ben, éventuellement, oui. C'est spacieux, on est bien. C'est spacieux, on est bien.
Ben là, il est un peu tôt de faire un bilan parce qu'on commence à livrer. Et ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est les premiers prototypes qui vont servir à des essais. Par la suite, quand notre client, la Société de transport de Montréal, aura terminé les essais, on rentrera en production pour la livraison des 468 voitures. Aujourd'hui, le projet va assez bien. La collaboration avec Bombardier est excellente et l'équipe de projet est très avancée. Et donc, tout va bien pour l'instant. Ben, voyons, c'est impossible. c'est tout à fait faux comme information. Le métro, je vous rassure, a été bien dimensionné pour les tunnels de la ville de Montréal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce que vous croyez que les salariés d'Alstom Canada sont heureux aujourd'hui? Premièrement, je dirais que cette activité, qui est celle de communication et sécurité, est une activité internationale où la majorité des travaux se fait à l'extérieur du Canada. Et en plus, on a regardé en termes de proximité et il y a une partie des activités qui est transférée en Europe et il y a une autre partie qui va rester ici, mais en collaboration avec un sous-traitant. Maintenant, ces activités ne touchent en rien l'activité du métro. Celle-ci se poursuit telle qu'établie auparavant. Tout à fait. Alors, Alstom est très attentif à ces situations qui sont malheureuses, mais souvent obligées pour se maintenir dans un marché donné. Et donc, on a pris des mesures et tous les employés on s'occupera de ceux-ci afin de s'assurer qu'ils réussissent à se replacer, soit dans les activités courantes d'Alstom ou même à l'extérieur d'Alstom. Ici au Canada, nous avons remporté le tramway, en fait ce qu'on appelle le tram-train d'Ottawa, en collaboration avec le groupe Rideau. Maintenant, pour ce qui est du reste de la planète, évidemment, on a des compétiteurs, mais notre technologie, elle est vraiment à la fine pointe et elle est excellente. Donc, en général, on compétitionne sur tous les marchés de façon très adéquate. Ah, elle a des fonds. Elle a des fonds. C'est bon. Ok. C'est bon.